Gabi Ashkenazi sous la menace d'une peine de prison à perpétuité. La nouvelle pourrait faire sourire en Israël, mais pas en Turquie, où les autorités judiciaires ont mis un point d'honneur à préparer des chefs d'inculpation visant l'ancien chef d'état-major de Tsahal, mais aussi trois autres commandants de l'armée israélienne. Ils sont accusés d'être responsables de la mort de 9 activistes turcs, soi-disant pacifistes, à bord de la flottille du Mavi Marmara fin mai 2010. Une flottille qui tentait de forcer le blocus maritime imposé par Israël autour de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, blocus dont la légitimité a été confirmée par le rapport Palmer de l'ONU. Les activistes armés avaient opté pour l'affrontement avec des soldats de Tsahal plutôt que de rebrousser chemin aux abords des côtes. 2 ans après l'affaire, Ankara tente une fois de plus à sa manière de se poser en défenseur de la cause palestinienne.